Merci de m'avoir aidé, Sarette. Oh, t'inquiète, je peux bien te filer un coup de main. Y'a qui ce soir? Alors, ce soir, il y aura Sam, Allison, Megan. J'ai aussi invité Irina, Paul, Raph, et il y aura Valentin aussi. Kevin Despalières, tu l'as invité? Bah, j'ai hésité, il est pas bien depuis sa rupture, mais il sera là. Bon, c'est pas le tout, j'ai du pigeon à farcir. Ouais. C'est grand pour Kevin? Ouais, c'est... Il paraît que Chloé l'a plaqué le courant. Sérieux? Ouais. Oh non, mais lui, il a jamais de chance avec les gens. Ils sont toujours sur la mauvaise personne. T'arrêtes avec ça. C'est juste un ami, c'est tout. C'est ça, ouais, mais en même temps, tu te dévores des yeux tous les jours. Non, ça va, n'importe quoi. Je suis satisfait. La vie, pour moi, c'est pas que vivre. C'est aussi spiritualiser. Tu comprends ce que je veux dire? Ça te fait rire? Non. Moi, ça me fait pas rire. Je pense juste que t'as l'esprit trop fermé. Il faut que tu regardes au-delà de ce que tu vois. Alors? Tout le monde est arrivé? Non, il manque Kevin. Il m'a dit qu'il ramènerait quelqu'un avec lui. Qui ça? Pardonnez-moi, je suis en retard. Hein, pas de soucis. Morgane Despalières. Laura Brachas. Toujours pas morte? Toujours une puce sous? Salut Kevin. Salut Léo. La personne que tu devais ramener, c'était ta mère? On parle pas. Elle a insisté pour venir. Je peux savoir ce qui se passe entre les deux? Un vieux conflit entre prof et élève. Je me souviens de toi en troisième. Pour toi, le Führer était né en 1949, non? C'est votre année de naissance, non? Je ne suis pas si vieille que ça. De toute façon, vous êtes si vieille que vous étiez déjà là quand la mère morte n'était que malade. C'est bien. On a révisé sa géographie. Visiblement, il n'y a pas que les continents qui sont à la dérive. Je ne me souvenais pas avoir déjà eu une relation aussi tendue avec un prof. Ouais, moi je savais même pas que la vieille était là. C'est moi qui traite de vieille. Il ne dit que la vérité. Oui, comme quand on te demande qu'est-ce qu'un triangle rectangle. Un triangle aux trois côtés parallèles. Je suis sûre que tu ne joues pas. Incapable de comprendre les règles du jeu, avoue-le. Juste pour vous prouver que vous avez tort, je vais vous défoncer au premier tour. Maintenant que tout le monde est réuni avec plus ou moins de calme, nous allons pouvoir commencer notre partie. Pour rappel, les cartes présentes à vos pieds montrent des personnages. Villageois ou loup-garou, votre but va être de vous tuer l'un et l'autre. J'espère pas être sans villageois, il sert à rien. Si, tu fais des trucs de villageois, c'est bien aussi. Je vous laisse à présent retourner vos cartes qui désignent vos personnages et découvrir quel rôle vous avez obtenu. Je vais vous rappeler les règles en même temps. Pour commencer, on va parler des loups-garous. Chaque nuit, ils doivent tuer un villageois et le jour, ils doivent protéger leur identité pour échapper à la sentence du village. Ensuite, nous avons la sorcière.
La sorcière concocte des potions. Deux potions. Une potion de vie et une potion de mort. La potion de vie pour ressusciter la victime des loups-garous. La potion de mort pour tuer une autre personne. La voyante. La voyante, chaque nuit, a la possibilité de découvrir la personnalité d'un des villageois. Elle doit donc utiliser son pouvoir à bon escient pour aider les villageois à remporter la partie. Le chasseur. Le chasseur n'a pas de pouvoir spécifique, mais une fois qu'il est mort par la sentence du village ou par les loups-garous, il utilisera ses dernières forces, il utilisera sa dernière flèche pour tuer une personne. Cupidon est le représentant de l'amour dans la partie. Il va, dès le premier tour, désigner deux personnages qui seront unis par les liens forts de l'amour. Si l'un meurt, l'autre mourra d'un chagrin d'amour. Leur but, de finir la partie ensemble, seul contre tous. Le Salvateur, enfin. Le Salvateur a un pouvoir mystique, un pouvoir magique qui lui permet chaque nuit de sauver une personne. Il peut se sauver lui-même, mais ne peut sauver deux fois la même personne deux nuits de suite. La petite fille. La petite fille, chaque nuit, peut se réveiller poussée par la curiosité pour espionner les loups-garous. Elle ne doit pas se faire voir, puisque si elle se fait voir, elle meurt instantanément. Et puis, il y a le villageois. Il n'a pas de pouvoir, mais son seul pouvoir est la persuasion. Bien, maintenant que tout le monde connaît son rôle, on va pouvoir lancer la partie. Alors, après une dure journée de labeur, le village s'endort. Maintenant que le village est endormi, je vais appeler Cupidon. Cupidon se réveille et va me montrer les deux personnes qu'il veut voir en couple cette nuit. Merci Cupidon, tu peux te rendormir. Je vais toucher la tête des deux amoureux. Quand je leur toucherai la tête, ils se réveilleront, se regarderont et s'aimeront. Et les deux amoureux se rendorment. La voyante se réveille et va me montrer la personne dont elle veut sonder l'identité ce soir. Thank you.
après avoir découvert l'identité d'un de ses compères, la voyante se rendort. À présent, le Salvateur se réveille. Une fois réveillé, il va me montrer la personne qu'il veut protéger de la menace de cette nuit. Notre Maître qui est au paradis, veuillez m'accorder votre clémence et me pardonner tous mes péchés. Puissiez-vous trouver la force de me protéger cette nuit, en échange de votre bénédiction. Je vous offre mon âme. Et se rendort. L'heure fatidique des loups-garous est arrivée. Je vais vous demander de vous réveiller. Les loups-garous se reconnaissent ? Il va falloir choisir votre prochaine victime. Visiblement fait leur choix. Est basé sur le mouvement. Votre rage ne peut m'atteindre. Votre appétit ne peut m'atteindre. Vous ne pouvez pas me faire de mal. Tu crois ? Rendormez-vous, les loups-garous. Maintenant, la sorcière se réveille. Sorcière, cette personne est morte. Que souhaites-tu faire ? Très bien, la sorcière fait son choix et se rendort. C'est le matin, le village se réveille, tout le monde ouvre les yeux. Cette nuit, au grand étonnement général, personne n'est mort. Bien. C'est elle. Tu l'as. Pardon ? Tu t'es regardé ? Avec tes poils qui sortent des oreilles. C'est forcément toi, le garou. Pardon ? Très bien, je vois que certains sont prêts à débattre, mais avant, il va falloir élire le maire du village. Celui-ci aura automatiquement 2 voix lors du vote. Alors, qui se présente ? Peuple de Tiercelieu, moi, Allison, me présente à vous aujourd'hui afin d'être élue maire de cette cité. Mon but en tant que maire est de nous protéger de ces monstres tout droit sortis des enfers. Leur seul but est de nous exterminer tous autant que nous sommes. Je vous promets de vous protéger et nous devons agir vite et vite avant qu'il ne soit trop tard.
Moi, maire de cette petite bourgade, je promets d'arrêter la déforestation. Moi, maire de cette petite bourgade, je vous jure d'axer l'éducation sur l'autodéfense. Moi, maire de cette petite bourgade, je promets sur mon âme d'arrêter ces forces du mal. Merci à vous. Ouais. Ok. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Je ne vais pas parler de moi, comme l'a fait ma consœur, mais je vais parler de nous. Oui, certes, nous sommes vulnérables face à ces créatures, mais nous sommes forts, unis. Et si vous votez pour moi, je vous protégerai. Et croyez-moi, je pèse mes mots. Et si vous votez pour moi, vous aurez les chocolats. Ouais 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 ouais. Oh là-bas, là. Bien, passons au vote. Qui veut élire Raph comme maire? Raph, c'est donc pour moi un honneur de t'offrir ce rôle de maire. Maintenant que nous avons notre maire, nous allons pouvoir passer au vote du village. Vous allez devoir voter pour une personne que vous pensez être loup-garou et ainsi la condamner à mort. Si je peux me permettre, je voterai pour Laura. Hein ? Écoute, quand on joue au loup-garou, soit on gagne, soit on meurt. Sinon, je voterai bien pour Valentin. Il dit jamais grand-chose. Je suis d'accord avec toi. Il a une belle tête de coupable. Et puis, j'ai entendu du bruit de son côté cette nuit. C'est pas possible. J'ai pas bougé de la nuit. Toi, par contre, je t'ai entendu. Je suis d'accord. Avec qui? Avec Megan. Ah? Toi aussi, t'as entendu du bruit? Non. Mais il a une tête de coupable. Dans ce cas, votons. Tous ceux qui veulent voter pour Laura, lèvent la main. Tous ceux qui veulent voter pour Morgane, lèvent la main. Et tous ceux qui veulent voter pour Valentin, lèvent la main. Valentin, tous les votes sont dirigés vers toi. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Visiblement, ça sert à rien que je vous dise que je suis innocent, même si c'est le cas. Je vous souhaite à tous un amour bref et triste. C'est pas pour toi, Kevin. Sans moi, vous ne pourrez plus tremper le biscuit. Allez-y, que l'on... Valentin, tu peux révéler ta carte. J'ai été Cupidon. C'est un échec cuisant pour les villageois, mais une victoire pour les loups-garous qui passent pour une première fois à travers les mailles du filet. Le soleil va commencer à se coucher, le village se rendort. Alors que tout le village est endormi, la voyante se réveille. Elle va me désigner du doigt la personne dont elle veut voir la personnalité cette nuit. J'aurais dû me cupidonner avec elle. Elle pourrait m'apprendre des trucs avec sa boule. Très bien. La voyante se rendort. Salvateur, réveille-toi. Et montre-moi du doigt la personne que tu veux sauver cette nuit. Rendors-toi, Salvateur. Loup-garou, c'est à vous. Réveillez-vous. Il va falloir désigner une personne et il va falloir la tuer, cette personne. Allez, mon ange, va te mettre à l'abri. Arrête, je veux pas te laisser seul. Même si tu ne veux pas, tu le dois. Fais-le pour nous, fais-le pour moi. Non, je veux pas t'abandonner. Ils arrivent. Cours vite rejoindre la maison. Cours aussi vite que tu peux. Et te retourne pas. Allez, cours!
loup-garou. Sorcière, réveille-toi, sorcière. Sorcière, cette personne est morte cette nuit. Veux-tu la réanimer? Tuer quelqu'un d'autre? Ou ne rien faire? Dieu d'Aflam, Asmav d'Abwe. Ten garigen, Asklerigen. As le Dieu d'Aflam, Asmar d'Abwe. Ted varigen, Asklerigen. As le Dieu d'Aflam, Asmar d'Abwe. Ten varigen, as clergen, as le dieu de flamme, as mar d'abue. Ten varigen, as clergen, as le dieu de flamme, as mar d'abue. Ten varigen, as clergen, as le dieu de flamme, as mar d'abue. Très bien, sorcière, rendors-toi, sorcière. Le village se réveille. Encore une fois, sans aucune victime. Dis donc, les loups-garous, vous êtes un peu inefficaces ces derniers temps, hein. Bon, il est l'heure de passer au vote. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Bien, vas-y, Rina, qu'as-tu à nous dire? Alors, moi, j'ai une intuition, peut-être même une certitude, que Megan n'est pas toute blanche. C'est quoi ta preuve? Je trouve ça étonnant que t'accuses une personne directe comme ça. Tu serais pas dégoûté que tes victimes ne restent pas mortes? Je suis d'accord avec ça, hein. Moi, j'ai rien à voir avec ça, hein. Franchement. Ouais. Je suis choqué de l'argumentaire de certains. Les morts restent morts. Merci. Si je peux me permettre, vu ta dernière remarque, je pense que c'est toi qui es vexé. Qu'aucune de tes victimes ne reste morte. T'en penses quoi, Alison? Je ne sais pas. Dans le doute, je voterai comme le maire. Très bien. Dans ce cas, passons au vote. Qui souhaite exécuter Megan? Je pense que la décision a été prise. Megan, j'ai le regret de t'annoncer que tu nous quittes. Et tu étais... La loup-garou. Après une formidable journée où le village a réussi à se débarrasser d'un des loups-garous, tous les villageois retournent se reposer et le village s'endort. La voyante se réveille et me désigne du doigt la personne dont elle veut voir la personnalité cette nuit. La voyante se rendort. Le Salvateur se réveille et me montre la personne qu'il veut sauver de la mort cette nuit.
Rendors-toi, Salvatore. Loup-garou, c'est à vous. Je peux savoir pourquoi tu n'as pas défendu Megan. On n'est plus que deux maintenant. Veux-tu bien me répondre? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'aurais dû te suivre dans la défense au risque de nous griller tous les deux? Heureusement que Romulus et Rémus ne sont plus là pour voir ça. Ils auraient honte. Tu es devenu un pitoyable chien-garou. Comment tu peux dire ça? J'ai toujours été à tes côtés. Je t'ai toujours soutenu, supporté, alors... Et même pour l'élection. Bon, il est vrai que son discours m'a un peu plus parlé que le tien, mais... Mais des chocolats! Attends, tu sais bien à quel point je t'estime. Je t'admire. Allison, je t'aime. Ah mon Dieu, quelle déclaration. Autant se jeter du haut d'une falaise, elle va jamais dire oui. Moi, je trouve plutôt mignon. Même si cette psychopute ne m'a pas défendu pour protéger sa petite personne, hein. Alors ça, c'est surprenant. Oh les bâtards! Dis Megan, je me disais. Tu vois, on est là, tous les deux en tête à tête. Bon, mort certes, mais... certaines parties de mon corps semblent... en pleine forme, ça dirait pas de... Plutôt mourir. Mais on est mort. Et même mort, je me tape pas de micro-pénis. Comment tu sais que... Megan? Alors, c'était comment? Motivant. Pour? Allez tuer notre cher villageois, bien sûr. Il va falloir me désigner la personne que vous voulez tuer cette nuit. Les loups-garous ont fait leur choix de se rendre. À présent, la sorcière se réveille. Sorcière, je vais te montrer la victime des loups-garous. Tu as déjà utilisé ta potion de vie. Que comptes-tu faire? Très bien, sorcière. Ton choix est fait, rendors-toi. Le village se réveille. Malheureusement, cette nuit a été dévastatrice puisque deux personnes sont mortes. Sœurette était morte. J'en étais sûre. Mais heureusement pour toi, tu étais le chasseur. Et donc, le seigneur, moi, je t'accorde quelques instants pour pouvoir tuer la personne de ton choix. Eh bien, une victime de plus est à déplorer. Morgane, tu es morte. Pissous. C'était moi la sorcière. Je suis sûre que vous m'avez tuée. Évidemment, c'était moi.
Avoue que tu n'attendais que ça pour pouvoir me tuer ensuite. Bah voilà, vous êtes quitte. Vous pouvez retourner vos cartes. Bon, revenons-en à notre jeu. La deuxième victime des loups-garous, Kevin. Kevin, tu es mort. Tu étais... villageois. Malheureusement, ce n'est pas tout. Irina était éperdument amoureuse de Kevin et ne supportait plus de vivre sans lui. Après avoir promis de retrouver son amour perdu, elle est rentrée chez elle. Elle a enfilé de vieux vêtements. Elle est allée dans la salle de bain, a rempli la baignoire. Elle a ouvert la boîte de lave de rasoir de son défunt amant. Les veines pour rejoindre son amour. Donc du coup, Irina, t'étais quoi? J'étais la voyante. Après ce carnage, il est temps de donner vos avis sur qui est encore loup-garou. Qui se lance? J'ai une supposition. Je pense que Sam est un loup-garou. Quoi? Du génie. Tout à l'heure, il a défendu Megan alors qu'elle était un loup-garou. Pour moi, c'en est un aussi. Sam, je pense que tout le village est contre toi. Est-ce que t'as quelque chose à dire pour ta défense? Allez-y, tuez-moi. De toute façon, vous avez tous perdu. Je prône la trahison. Bien. Alors je vais demander, qui veut voter pour Sam? Lève la main. Après tout ce qu'on a vécu, la nuit qu'on a passée ensemble, c'est comme ça que ça se finit? T'es abominable. Non, stratège. Au loup-garou, soit on gagne, soit on meurt. Dors bien, mon chou. Et Sam, tu étais? Un loup-garou. Eh bien, il ne reste dans le village qu'un loup-garou, le Salvateur et la petite fille. Tout dépendra du choix du Salvateur. Le village se rendort. Et maintenant, le Salvateur se réveille et me désigne la personne qu'il souhaite protéger. Rendors-toi, Salvateur. Ça va? Oui. Ferme les yeux. Maintenant, tu es protégé des loups. Alors va vite te cacher. Mais non, mais vous, qu'allez-vous faire, Monsieur le Salvateur? Je vais me débrouiller. Alors fais ce que je te dis. Mais les loups, j'ai appris à les connaître! Va-t'en, quitte terre ce lieu, dépêche-toi!
et le loup-garou restant se réveille. Dites, vous saviez qu'en Grèce antique, les Grecs faisaient des orgies en l'honneur de Dionysos? Vous pourrez faire la même chose pour Hadès, non? Pitié! Ça sera sans moi. Sans moi non plus. Même morte, vous restez frigide. Non merci, je le fais qu'avec mon village d'amour. Oh, mais moi je suis chaud. Ça c'est mieux, mais pourquoi pas? Alors, Salvateur, tu étais la première personne que je voulais tuer. Mais Dieu en a décidé autrement. Puis, j'ai voulu être élue maire, et là encore, tu t'es mis en travers de ma route. Que veux-tu? Je suis comme ça, prêt à tout pour protéger mes amis. C'est vrai, tu es comme ça, insupportable, avec tes grands airs de missionnaire. Il est vrai, j'adore cette position. Même avant la fin, tu as encore le mot pour rire. Prépare-toi à mourir. Lorsque les rayons de l'aube frappèrent la fenêtre de sa maison, la petite fille comprit qu'elle était l'unique survivante. Elle se résigna, prête à affronter son destin. Choisir comment je dois mourir, ce sera moi. S'achève par la victoire écrasante d'Alison. Les loups-garous ont gagné. Moi je dis, faites l'amour, pas la guerre. J'aurais vraiment gagné si on m'avait soutenu. Et moi si on m'avait pas trahi. Trahison, disgrâce. De toute façon, moi j'avais aucune chance. Moi je te soutenais. Perso, j'ai gagné, je m'en fous. Bâtard. Pour moi, le monde a changé grâce à cette partie. Mal pour une première. Je suis d'accord. Enfin, on est d'accord sur quelque chose. Perso, je suis le plus jeune et je suis mort en dernier. Et attendez, les gars, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait d'orgie tout à l'heure? Oui, moi. Ah! Les gars, il reste une carte, elle est à qui? Les gars?
Les gars! Bon travail. Un beau pichenlit. C'est sûrement le dernier de la saison.